Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. Le pauvre. Oh, ça brûle, ça. Il a décidé de traverser son armure. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. Câble de machine, plus solide qu'une corde. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Voir pour en faire quelque chose de mieux. Tu peux utiliser cet établi? Voilà un attracteur. Allons le tester sur les débris. C'est encore mieux que ce que je pensais. J'ai l'impression que ça va pas être simple de sortir d'ici. Je devrais scanner la zone. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. Qu'est-ce que c'est ? Wow. Bonjour. Je suis Oswald Dalgard. Et je suis ravi de vous présenter Zénith Lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles, même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre. Veuillez vous rendre à l'auditorium, où nous vous présenterons notre projet. Je me demande ce qu'il y a dans cet auditorium. On va pas tarder à le savoir. Une simple impulsion de mon focus ne suffira pas. Je devrais scanner la zone. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Je devrais activer mon focus et voir ce que je peux faire.
Je devrais activer mon focus et voir ce que je peux faire. Je devrais activer mon focus et voir ce que je peux faire. Je devrais activer mon focus et scanner la zone. Une simple impulsion de mon focus ne suffira pas. Je devrais scanner la zone. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Une simple impulsion de mon focus ne suffira pas. Je devrais scanner la zone. Je devrais activer mon focus et scanner la zone. Je devrais activer mon focus et voir ce que je peux faire. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus.
Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Je devrais activer mon focus et voir ce que je peux faire. Je devrais activer mon focus et scanner la zone. Une simple impulsion de mon focus ne suffira pas. Je devrais scanner la zone. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Je devrais activer mon focus et scanner la zone. Je devrais activer mon focus et scanner la zone. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Alors ? Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus.
Je devrais activer mon focus et scanner la zone. Une simple impulsion de mon focus ne suffira pas. Je devrais scanner la zone. Une simple impulsion de mon focus ne suffira pas. Je devrais scanner la zone. Je devrais pouvoir monter là-haut. Parfait. Ça a marché. Cet attracteur est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Bon, je dois faire descendre l'échelle pour voir. Aloy, tu peux descendre l'échelle? Oui, j'arrive. Voilà pour toi, Marc. Merci. Les humains, les Homo sapiens, nous. Nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs.
Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivhumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, au milieu des étoiles? Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il y a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa? Pour leur colonie? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver? Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals. Chez Zénith lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore... comment. Alors, ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben... ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. Trouver un autre moyen. Viens. Je n'arrive pas à croire que les anciens volaient. Ils étaient capables de bien des choses. Pour le meilleur et pour le pire. On dirait bien, oui. Je me demande comment c'est d'être là-haut, parmi les étoiles.
Terre sauvage ont vraiment plus de pouvoir ici. Mon focus va peut-être m'être utile ici. Je crois que je peux retirer cette chose du mur.